Bonjour et bienvenue à tous pour votre séance de Stretch Flex. Dans cette séance, le travail sera porté principalement sur le système neuromusculo-squelettique. À partir de la réalisation de mouvements visant à, tout d'abord, entretenir votre mobilité articulaire. 2. Améliorer la compliance de vos muscles, tendons et ligaments. Et 3. Développer votre tonicité posturale. Cette séance est ouverte à tous les publics sans prérequis initial. Finalement, votre seule limite sera votre niveau de souplesse. C'est une séance qui doit vous permettre de vous procurer détente, bien-être, relâchement, apaisement. Allez, c'est parti, vous êtes prêts? Parfait. Alors, nous allons commencer tout d'abord par un réveil musculaire et articulaire. Commencez pied parallèle, largeur bassin, légère flexion sur les genoux, buste droit, épaules basses et regard fixe devant. Nous allons commencer par un mouvement de balancier des bras sur des pliés de genoux. Donc, balancier des bras devant, comme ceci, sur les pliés de genoux. Alors, vous allez chercher à tracer la ligne droite avec les bras devant vous, en dégageant bien le bord de votre taille. Allez, encore, 4, balancier. Très bien. Poursuivez avec le bras droit uniquement sur des grands cercles d'avant en arrière en plaçant à chaque fois le regard sur la main. Encore un cercle. Relâchez le bras droit et poursuivez avec le bras gauche sur le même mouvement. Grand cercle d'avant en arrière. On va chercher le plus loin possible. On relâche son bras gauche. On poursuit. Allongez le bras droit devant. En inspirant, décrivez un grand cercle devant vous. Et sur l'expiration, relevez le bras gauche vers le plafond en allongeant la taille. On descend le bras gauche, cercle, inspire et relève le bras droit pour étirer le flanc à l'expire. Allez, encore une fois, inspire, expire. Une autre fois. Revenez au centre, placez les paumes de main jointes devant la poitrine. À l'inspire, montez les mains, allongez les bras, grandissez dans les omoplates en dégageant les talons. Expire, redescend les talons au sol, main devant la poitrine. Inspire, écartez vos mains, poussez les coudes en arrière en serrant les omoplates. Revenez au centre, inspire, allonge, étire l'axe principal du corps, expire, descend, inspire, ouvre bien la cage thoracique, expire, resserre, allez encore deux fois, inspire, allez grandissez au maximum l'axe principal du corps, expire, redescend. Inspire, ouvre la poitrine, serre les omoplates. Expire, resserre. Encore une fois. Les talons sont serrés.
Expire. Inspire. Expire. Très bien. Nous allons changer de position. Vous écarterez vos pieds. Pointe vers l'extérieur. Le buste droit, les fessiers rentrés et serrés. À l'inspire, placez les bras sur le côté. Descendez à la flexion sur les cuisses en resserrant main devant. Et reviens. Inspire. Expire. Encore. Descendez le bassin le plus bas possible, à la hauteur des genoux, ce serait bien. Encore deux. Très bien, petite variante, on redescend à la flexion. Cette fois-ci, les bras remontent au-dessus de la tête. Inspire. Toujours le même principe. Le bassin descend à la hauteur des genoux. Le dos reste droit à la verticale. Encore. Très bien. On relâche les bras. Vous allez ouvrir la pointe de pied droite en direction du mur. Placez les bras latéralement. Inspire. Fente. Flexion de la jambe droite. Expire. Relevez la main droite vers le plafond en dégageant le flanc. Position guerrier du soleil. Reviens, inspire. À l'expire, fléchis le coude droit. Pose le coude dans le creux de la hanche et allonge le bras gauche au-dessus de la tête. Revenez au centre. Resserrez le pied droit devant. Ouvrez la pointe de pied gauche. Inspire, descend à la fente. Expire, relève le bras gauche en direction du plafond. Dégage bien le flanc. Inspire, reviens dans l'axe. Fléchis le coude gauche dans le creux de la hanche. À l'expire, ramène le bras droit au-dessus de la tête. Trace une belle ligne droite entre ta jambe droite, ton dos et ta main. Revenez au centre. Vous placerez vos mains sur le dossier de la chaise. Vous reculerez les pieds suffisamment loin. Les pieds écartés un peu plus que la largeur du bassin. Pointez les fesses en arrière. Fléchissez légèrement les genoux. Descendez légèrement le bassin en vue de tracer une belle ligne droite avec votre dos. Recherchez la stabilité dans la position. Une fois stable, vous abaisserez votre bras. Vous réaliserez un grand cercle en venant reposer à chaque fois votre main sur le dossier. On va réaliser un moulin avec les bras. Continuez. Maintenez votre dos bien à plat. Si vous avez
des difficultés à réaliser le cercle, vous pouvez réaliser ce mouvement à la place. Partez avec le bras en bas, montez-le sur le côté, puis resserrez-le au-dessus de votre tête. Même chose à gauche. Voilà, lorsque vous avez terminé, relevez la tête et les épaules tout doucement et venez rapprocher les pieds de la chaise. Nous allons poursuivre avec les exercices de planche. Alors, nous allons placer les mains sur le dossier. Vous allez ouvrir la hanche droite, placez le bras gauche devant, inspirez. Sur l'expiration, descendez à la planche progressivement en rapprochant la poitrine du dossier. Tracez une belle ligne droite entre votre jambe, votre dos et votre bras. À l'inspire, revenez dans le plan vertical. Ouvrez la hanche droite, descendez le bras et à l'expire, descendez à la planche latérale en descendant l'oreille sur le bras. Inspire, reviens dans l'axe. À nouveau, expire, descends à la planche faciale. Inspire, reviens dans l'axe. Ouvre la hanche droite, descends le bras gauche, expire, descends de nouveau à la planche latérale ou costale. Inspire, reviens dans l'axe, expire, redescends le bras gauche. Même chose de l'autre côté, ouvrez la hanche gauche. Placez le bras droit devant, inspirez. Sur une longue expiration, descendez à la planche faciale. Inspire, reviens dans l'axe. Ouvrez la hanche gauche, descendez le bras droit. Expire. Descendez à la planche latérale, descendez l'oreille sur l'épaule, maintenez l'allongement de votre jambe gauche. Inspire, revenez dans l'axe en conservant l'alignement. Allez, de nouveau, expire, planche faciale. Inspire, reviens dans l'axe. Expire. On descend de nouveau à la planche costale. Inspire, reviens dans l'axe. Expire. Resserre et relâche le bras droit. Variante de l'exercice de planche. Inspire. Expire. Ouverture de hanche. Tenez bien le bassin fixe devant. Inspire, reviens dans l'axe. Expire, déplie la jambe. Inspire, monte le bras. Expire. Ouvrez la hanche. Et descendez à la planche. Inspire, reviens dans l'axe. Expire, ouvre la hanche. Et descends le bras contre l'oreille. Et reviens dans l'axe. Même chose de l'autre côté. Inspire. Expire. Inspire.
Expire. Inspire. Planche. Expire. Inspire, reviens dans l'axe. Expire, ouverture de hanche. Descends le bras contre l'oreille. Inspire, reviens dans l'axe. Expire, relâche le bras. Installez-vous bien au fond du siège. Avec l'appui sur la pointe des fessiers. Recherchez tout de suite l'allongement de la colonne et de la nuque vers le haut. La zone lombaire ne doit pas être appuyée sur le dossier. Observez un petit creux d'en bas du dos. Les pieds sont à plat au sol, parallèle largeur bassin. Les genoux doivent être à l'aplomb des hanches. Si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, prévoyez un petit bottin sous les pieds pour équilibrer la posture. À l'inspire, élevez les bras par le côté jusqu'au-dessus de la tête. Allongez les bras, ressentez le grandissement dans les épaules et les omoplates. Sur l'expiration, descendez épaules et poitrine en premier en direction des genoux. Conservez la ligne droite entre le dos et les bras. À l'inspire, écartez les bras, descendez les bras le long du corps en resserrant les omoplates. Et à l'expire, redressez le buste. On refait. Inspire. Montez les bras au-dessus de la tête. Allongez les épaules et les omoplates. Expire. Descendez le buste en direction des genoux. Conservez la ligne droite. Inspire. Écartez les bras, poussez les paumes de main vers l'arrière, le long du corps, serrez les omoplates, expire, redressez le buste. Allez, une nouvelle fois, inspirez. Expire toujours, poitrine vers l'avant, dos plat, les bras s'étirent, les doigts s'allongent. Inspire, tiens le dos, descends les bras le long du corps en serrant les omoplates. Expire, redresse le buste. Vous allez écarter vos pieds, légère ouverture de hanche, toujours les pieds bien à plat au sol, le buste droit. Positionnez les bras sur le côté à l'inspire. Grandissez de nouveau le dos, rentrez également le nombril. Sur l'expiration, inclinez la ligne d'épaule vers la droite. Descendez la main droite vers le sol et dégagez au maximum le bras gauche vers le plafond. Inspirez, revenez dans l'axe. Expirez, descendez sur le côté gauche. Le dos doit bien rester à la verticale. Et revenez. On refait encore. Inspire. Expire. Inspire. Inclinaison à gauche. Expire. Allez, encore deux. On essaie de descendre la main un petit peu plus bas vers le sol, sans décoller les fesses de la chaise. Dernier côté. Expire.
Inspire, revenez au centre. Très bien, relâchez les épaules. Quelques instants. En inspirant, décollez les talons du sol. Dégagez-les au maximum. En expirant, reposez les talons. Sur l'inspiration, à présent, relevez les orteils bien haut vers le plafond. Et sur l'expire, reposez les orteils au sol. Inspire, soulève les talons. Expire, pose. Inspire, soulève les orteils. Expire, pose. Encore, inspire. Pose. Expire. Repose. Positionnez les mains près des fessiers. Tenez le buste droit. Relevez les orteils. Inspirez. Sur l'expiration, réalisez l'ouverture des hanches vers l'extérieur. Inspirez, resserrez. Expirez, ouvrez. Inspirez, resserrez. Encore. Tenez toujours le buste bien droit. Serrez les abdominaux. Encore. Le dernier. Et reposez. Inspirez. Montez les bras au-dessus de la tête. Grandissez le dos. À l'expiration, dépliez la jambe droite, rentrez le genou, poussez le talon vers l'avant et abaissez le bras gauche devant. Maintenez la position. Inspirez, repliez la jambe droite, relevez le bras gauche. Expirez, abaissez les bras. Même chose de l'autre côté. Inspirez, montez les bras. À l'expire, on déplie la jambe gauche et on abaisse le bras droit devant. Rentrez bien votre genou, poussez au maximum le talon vers l'avant. Inspirez, remontez, expirez, descendez les bras. Encore une fois, inspire, expire. Inspire, expire. Allez, dernière fois à gauche. Très bien. Venez positionner les mains à hauteur de poitrine. Étirez la colonne et la nuque vers le plafond. Rentrez le nombril. Inspirez. Bombez le torse. À l'expiration, rotation du buste et de la ligne d'épaule vers la droite. Inspirez, revenez au centre. Rotation, buste et ligne d'épaule vers la gauche. Continuez, maintenez bien le bassin fixe devant. Resserrez au maximum la taille autour du nombril. Gauche. Une dernière fois, on essaie d'aller rechercher la rotation à 90 degrés.
puis revenez au centre. Très bien. Relâchez les bras, resserrez les pieds, relevez-vous. Posez votre pied droit à plat au centre du siège. Allongez le bras droit devant à l'inspire. Sur l'expiration, descendez la ligne d'épaule et le bassin, le pubis en direction de la chaise. Dépliez votre jambe avant, deuxième position, dépliez complètement la jambe, genou rentré, orteil vers le plafond. Inspirez. À l'expire, inclinez progressivement le buste vers l'avant, sur la jambe tendue. Pour un étirement un peu plus intensif, déplacez les mains en direction des orteils, en veillant à ne pas trop arrondir le bas de votre dos. Revenez, pied gauche, allongez le bras gauche, inspirez, expirez, allongez le bras, descendez le pubis en direction de la chaise. Maintenez bien l'alignement des hanches avec celui des épaules. Dépliez. Genou rentré, portez vers le plafond. Inspirez. Dégagez la poitrine vers l'avant. Expirez, descendez le buste sur la jambe tendue. Ressentez l'étirement derrière la cuisse. Si vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans l'étirement, vous pouvez déplacer les mains en direction des orteils en descendant un peu plus le buste sur la jambe. Relâchez. Donc pour terminer la séance, dans un climat apaisant, je vous propose une petite séquence de relaxation et de méditation. Alors, pour commencer, je vous invite à fermer les yeux tranquillement, à visualiser votre posture sur la chaise avec votre colonne bien droite, avec un ancrage fort du pubis et des talons dans le sol. Nous allons nous concentrer sur la respiration. Nous réaliserons la respiration abdominale. Celle-ci consiste en une inspiration par le nez, au cours de laquelle votre ventre va se gonfler, suivi d'une expiration longue au cours de laquelle votre ventre va se dégonfler. Toutes les autres zones de votre corps restent au repos. Observez uniquement l'activité tonique sur votre colonne et sur votre ventre. Allez, nous commençons ensemble. Inspirez par le nez. Faites pénétrer l'air dans le ventre qui se gonfle. Expirez par le nez de façon lente et progressive, au cours de laquelle le ventre se dégonfle complètement. Continuez, inspirez, expirez. À chaque expiration,
ressentez un peu plus le relâchement de votre corps, l'apaisement de votre esprit. Et tout le bien-être que cette respiration vous procure. Comparez l'air inhalé à deux fils remontant le long de vos narines jusqu'en un point lumineux situé sur votre front entre vos deux sourcils. En inspirant, laissez pénétrer l'air dans les narines jusqu'au point lumineux. Sur l'expiration, libérez les pensées, les émotions, les tensions dans l'environnement extérieur. Ainsi, petit à petit, observez la détente physique et psychique. Maintenez juste l'essence en éveil. Laissez-vous immerger complètement par cette belle musique. Progressivement, vous sortirez tranquillement de l'état d'apaisement dans lequel vous étiez confortablement installé. Par de petites mobilisations des épaules, de la tête, des doigts, des orteils, des poignets, des chevilles. Descendez vos bras le long du corps tranquillement. En inspirant, venez croiser les mains au-dessus de la tête et dépliez vos bras comme pour vous étirer, pour réveiller votre corps. Tout doucement, à l'expiration, redescendez les bras le long du corps. Vous pourrez ouvrir les yeux.
voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce petit instant de calme et d'apaisement. C'est ainsi que cette première séance de Stretchflex se termine. J'espère qu'elle vous aura apporté du bien-être. Je vous remercie de votre participation et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut !